Salut tout le monde, bienvenue. Allez, on part pour un petit peu de mapping, les amis. On va voir ce que ça donne. Hop là, bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez fait votre petite liste pour le Père Noël, que tout s'est bien passé. Allez, on se retrouve un petit peu pour du mapping. Juste baisser un peu le son de ma musique. Voilà. Retrouve pour un petit peu de mapping tranquillou. Là. Ah oui, j'ai ça, shader là-dessus. Alors, je regarde. Ouais, je sais comment. Va se faire chier. Salut à toi, ben bon week-end aussi. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, les amis. Et j'ai le piquer. Le piquer là-dessus. Oui, j'ai fait une connerie là. Grosse connerie. C'est pas comme ça. Hop. Ah, tu...
J'ai fait mon pote, j'ai un dossier là-dedans. Merde. Ah merde, j'ai renommé celui-là, j'aurais pas dû. C'est pas grave, je pourrais corriger ça après. D'ailleurs, faut que je change. Ouais, d'ailleurs, faut que je change. Merde. On va faire autrement. Est-ce que je l'ai su? Je l'ai pas celui-là. Sur ça, j'en ai pas besoin. Salut Simulateur, c'est toi. En fait, moi j'ai repassé mon jeu en version 1.1 sur Steam. En attendant que... On ait la version... La version corrigée. Donc du coup, comme ça, j'ai... L'avantage d'avoir le jeu sur Steam, c'est que tu peux revenir en version 1.1 si tu en as envie. Je pensais que ça allait me faire, ça allait me faire ça. Je fasse comme ça. Je sais même pas quelle taille elle fait celle-là. Ah ouais.
Pas autrement. Faire ça autrement. Bon, alors, en attendant. Je vais pouvoir les supprimer et les refaire. Essayer de les remplacer quand même, pourquoi? Non, pas perçu. Salut Jérémy, comment ça va? Écoute, ça va pas mal. J'en prenne des plus gros. On va déjà faire les tout petits comme ça. Là. C'est comment il s'appelle cela? Je change tous les rocs 2 en fait par cela. Bon, si je fais ça, ça me changeait les petits. Et après, faut que je trouve des gros. Ouais, après, ce que je pensais, ça va pas faire comme je voulais. Je remodèle ça parce que du coup, ça va pas, ils sont trop petits. Alors, on va déjà faire comme. Ce, on peut changer. Là, on peut les changer aussi. Le remplacer celui-là, le con. On va mettre des plus gros aussi, là aussi. C'est que j'en avais d'autres des rochers, je crois. Erreur de manipulation.
Allez, on va aller en chercher des plus gros. Écoute, ça va plutôt bien. J'espère que vous aussi, ça va bien. Allez, on va chercher des plus gros sur la map d'origine. Alors. Alors, hop là, on va chercher ça. Regardez ce qu'ils ont. Un peu plus gros cela. J'ai ma petite idée ce que je pourrais faire avec. Semble qu'il y en a si. Ouais, je crois. Ah non, 0,2, 0,1. Bah attends, je vais te montrer, ça va être si simple. Bouge pas. Alors, je vais essayer de mettre Steam sur cette fenêtre-là, que vous puissiez voir. Hop là. Hop, alors, tu vas dans Bibliothèque, Farming 22, hop. Clic droit propriété. Et là, tu prends bêta, et là, tu fais version 1, version 1.1, release, en fait. Ou si tu l'enlèves, si tu décoches, eh ben, tu reviens à la mise à jour, la dernière. Le faire. Donc, en fait, là, si tu mets aucune, il va être tout le temps à jour. Là, si je fais ça, il va me retélécharger une mise à jour. Voilà, moi, ça m'intéresse pas. Et si tu te mets en release 1.1, tac, voilà. Et là, tu seras sur la version antérieure, et du coup, ce qui te permettra de mapper tout simplement. Donc, t'as juste à faire ça. Et après, tu pourras utiliser Giant Editor en attendant qu'il fasse la mise à jour de Giant Editor, en fait. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Il semble que j'avais vu des grosses plaques de rochers, mais j'ai tout fait ça en un seul bloc. Ouais, c'est ça, c'est un seul bloc. Et arranger comme on peut. Ça va le faire, on va faire comme ça. Alors, importer. Ah, j'ai pas pris le dernier. Oh, c'est pas grave. On va importer les deux. Chargement. Donne... Celui-là, les bigous. Ça pourrait le faire. Et l'autre, qu'est-ce qu'il donne? Ah, celui-là, il est encore plus. Ouais, ça pourrait être sympa. Ok. Alors. On va remplacer celui-là. On cherche celui-là. Et on a dit qu'on prenait celui-là. Hop, remplacer. Ah, il m'a mis le petit, le con. Oh, moi, c'est celui-là que je veux, lapin. Oui. Ah, putain, excusez-moi. Je décoche ça.
Si je fais ce remplacer. Ah, les gars, j'ai gardé les attributs, donc forcément, c'est le caillou ou la place. Ouais, bon, en même temps, il est à côté, donc on va faire ça. Passer manuel. Hop. Pas vilain comme ça. Ouais, mais le mien en dessous. Mais pourquoi il me remet celui-là? J'ai pas pris le bon et j'ai fait. Si pourtant. Pourquoi il a pas voulu? C'est le bon idée. Alors, être tribu des 49. Oui, c'est ça. Charge. Passer. Ah, il me remet un petit ce con. Il y a un problème technique, les copains. Et c'est là en fait. Je fais un peu riquiqui. Hein.
Allez. Erreur de manipulation. Une que je chez moi. Allez, bougez pas, je reviens.
Excusez-moi les amis. Bon, là on est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ça. Ctrl X, si ça veut. Et on va les ranger. Où est-ce que je vais les ranger? Je vais les mettre dans. On va les mettre là-dedans, dans campagne. Ouais, on va les mettre là-dedans. Contrôle V. Voilà. Impeccable, comme ça c'est rangé dans le scénégraphe. Bon. Je referai après mon tri de scénégraphe quand j'aurai fini tout ça. Bon, là on est pas mal. Alors maintenant, ce que je voulais faire, c'était peut-être ce qui pourrait être sympa. Au lieu de faire ce truc dégueulasse là, too much là. C'est mettre des pierres en fait, enlever ça et mettre des pierres. Je pense que ça pourrait être sympa. On va déjà nettoyer un peu la zone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mettre des pierres, des petits rochers, des rochers posés en fait. Pour la butte. Bien sûr, il faudra refaire un peu d'herbe, mais ça c'est pas. Je pense que ça pourrait être pas mal. Dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des idées. Ça peut être toujours. C'est prenable. Hein, parce que forcément, quand on fait ça, on n'est pas forcément. On n'a pas forcément les meilleures idées du monde, des fois. Donc, c'est pas mal d'avoir d'idées d'autres personnes. Ça peut aider pour faire justement du mapping. Alors, est-ce que mon micro marche? Oui. Alors, contrôle B, hop. Oh, là, on va les poser comme ça. On va s'en mettre 2-3 comme ça. S'en mettre 2-3. Là. Jura, pardon. Alors, s'il y en a qui cherchent la petite astuce, comme ça, si vous voulez en coller plusieurs, vous faites CTRL B. Vous restez appuyé, clic gauche sur la souris. Et après, avec la flèche de Shift, en fait, vous appuyez où vous voulez mettre un objet. Et ça duplique automatiquement vos objets. Fait que bah, vous pouvez en mettre plusieurs à la suite. Alors, comme ça, là, on se retrouve, on n'a pas besoin de faire à chaque fois CTRL D, CTRL B. Donc, c'est la petite astuce qui vous permet de faire gagner un petit peu de temps. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, après, il faut pas broder le truc, hein, bien sûr, mais. Améliorer ça. Un petit montagneux un peu rocailleux comme ça. Je crois que du trop gros, après je mettrais peut-être un peu de petit. Et ça donne déjà si c'est. Ça va. Peut être pas vilain quand même. Là, on va faire pareil ici. Ah. Copain, viens là. Un peu sur. Pas trop long. Pas le terrain pour allonger. Avec des petits à côté, ça pourrait être pas mal. Ce que vous en pensez, les amis, n'hésitez pas. Je sais même pas s'il y a encore du monde sur le live parce que vous commentez pas beaucoup. Vous êtes déjà fatigué? La terre, ça s'enlève. Pas de plus joli que ce monticule là que j'ai fait. Panapapapapa. Merde, je suis en mode peinture. Disparaît.
Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre une autre taille. Là, j'ai mis des 3. On va essayer de mettre des 2 à côté. C'est sympa. T'inquiète pas, il y a du monde. Ah, sympa. Bah, vous commentez pas bien, les amis. Moi, je m'ennuie. Hein. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que j'en pense, ce que vous en pensez. Ça peut être. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. C'est. Je suis preneur. J'avoue qu'à force, au bout d'un moment, on sèche un petit peu, en fait. C'est la conversion de la petite ouest pour ma team, tout simplement. J'en ai un petit peu marre des maps d'origine. Peut-être pas en mettre trop. Foutre un là. Si t'as l'honneur de venir jouer avec nous, Jérémy, tu pourras y jouer dessus. Elle ne sera pas de toute façon en DL, parce que j'ai pas les autorisations. Déjà, j'ai pas demandé tout simplement à la convertir au mapper originel et j'ai pas, par respect pour son boulot de base, je ne vais pas la partager. Elle restera. Ça me plaît pas. Comme ça, un peu en. Mon chien fout sa merde, on va dire. Non, comme ça. Ça fasse joli. Ça cache un peu le bord de l'autre. J'irai vous la montrer après. Une game, on verra ce que ça donne. On verra ce que vous en pensez. Bon, il y a encore des trucs que j'ai pas encore tout compris. Hein. Je suis toujours en. En phase d'apprentissage sur le nouveau Giant Editor. Ça me paraît pas mal. On essaie de rajouter un petit peu d'arbres. C'est plus. Celui-là doit être plus petit, je crois. Oh, ouais, c'est les stages 5 et ça c'est les stages. J'ai mis que les stages 5. J'ai pas mis les autres les stages 4 plus petits. Ah là il y a ceux-là. Non, ceux-là. Quoi ça? Stage 3 et j'ai les pins stage 4. Okay. On ira voir après en jeu, de toute façon. Je vais finir la zone là, puis on ira voir un petit peu ce que ça donne. Non, ça me plaît pas. On va remettre un comme ça. Histoire de. Un peu de. Ça fasse un petit peu au côté ombragé. Je vais remettre un petit peu, peut-être un au coin ici. Alors maintenant, on va faire un petit peu de peinture, Lulure. Salut Gaëc28, bienvenue à tous les amis. Alors, allez, pour ceux qui m'avaient sur Discord, je suis désolé. Je me suis fait pirater mon compte. Alors vous avez certainement eu des messages un peu bizarres venant de moi. Alors, premièrement, moi j'ai déjà du mal avec le français, donc si vous avez des messages avec de l'anglais et tout ça, ça vient pas de moi, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, les amis. Donc, non, ça c'est moche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la terre normal. Dirt, dirt.
Écoute, ça va pas mal. Ah, c'est moche, ça. D'ailleurs, je vais voir une ferme des cochons. Parce que, ah, cochon. Donc, la ferme, elle sera. Pour le moment, j'ai pas encore tout fait. Donc, là, si vous voulez, la map est utilisable et jouable. Hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a encore des trucs que j'ai pas tout compris. Un truc tout con, j'ai mes champs qui se sèment tout seuls. Okay. Mais le souci, c'est que ça me sème la même texture. Et du coup, ça me casse les couilles. Ça me sème, par exemple, là. J'ai que des champs de maïs ou que des trucs comme ça un petit peu partout et c'est un petit peu casse-couille. Pas là, s'il te plaît, merci. Dire que cette zone est pas mal. Allez, on va sauvegarder ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Ah, j'espère qu'on streamant comme ça. Salut la griot du Genoa, bienvenue, bienvenue à tous les amis.
C'est la map Petit Ouest que j'ai convertie, là, pour ceux qui la peuvent la reconnaître, voilà, avec les champs, bon, il y a des trucs qui sont pas terminés, là, j'ai posé vite fait la ronfle, là, j'ai mes textures à refaire ici, là, c'est juste un point de vent que j'ai testé, hein. J'ai tous les chemins aussi à refaire, là, que j'ai commencé ici, voilà, je vais refaire à peu près comme ça, dans ce style-là. Donc il y a encore du taf, hein, mais j'en ai fait d'une belle longueur. J'ai mes entrées de champ à faire aussi. Il y a encore des petits trucs, voilà, des petites zones enherbées à remettre. D'ailleurs, je vais y faire tout de suite pendant que je suis là. Meadow. Ça avance tranquillement. Là, on va mettre plutôt de la petite herbe. Alors, on va se mettre en dirt. Là, on va mettre en grass. On va se mettre en middle. Voilà. On va se mettre un petit peu de bouillasse. Hop. Voilà. Ah, il y a encore quelques trucs que j'ai pas fait. Hein. Là, comme là, les entrées de chance n'ont pas été faites. Mais ça va avancer tranquillement, mais sûrement. Comme on a toujours dit, Rome ne s'est pas fait en un seul jour, les amis. Hop. Non, on va aller peaufiner d'abord la zone là-haut. Et je vous montrerai après. Ira voir un in-game ce que ça donne. Je dirais ce que vous en pensez déjà. Voir si je vais dans la bonne direction, ça serait pas mal. Après, peut-être que si j'ai l'autorisation, à moins que le mappeur originel ait décidé de la faire. Donc je poserai la question. S'il a décidé de la faire, et ben. Je ne. Je publierai pas la mienne, mais par contre, s'il m'autorise à faire à la publier, ben je la publierai. Là, pour le moment, alors, toujours en phase de conception, comment dire. Le truc qui me change, c'est que ça me change ça, c'est chiant. Donc là, de la ferme d'original, qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai gardé. Le bâtiment ici, stockage à paille, j'ai gardé ça, j'ai gardé ce bâtiment-là. J'ai gardé la petite zone ici pour tout ce qui est nettoyeur, pulvée, tout ça. J'ai fait une petite zone ici où on peut mettre une petite plateforme de karcher, par exemple. J'ai laissé un petit peu l'herbe comme ça parce que je trouve ça sympa. Donc c'est une zone qui est assez plate où vous pourrez passer des bâtiments d'origine. D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas fait, que je pourrais faire tout de suite, c'est ça. Enlever ça. Et on va se mettre. Attendez, un truc. Là, on va se faire un petit rond d'herbe. Voilà. On va laisser la petite partie enherbée là-bas. Et on va mettre un arbre au mieux. Arbre. Alors, on va se mettre. Alors là, j'aime bien. C'est ce gravel-là. Je trouve assez joli. De faire ça assez joli. Ouais, ça remarque, ça peut difforme, ça peut être sympa. C'est comme moi, c'est difforme. Ensuite, on va prendre du gravel un petit peu avec de l'herbe dedans. Voilà, un petit peu de mélange. Histoire de pas faire une texture assez. Et c'est ma préférée, moi, ma vraiment une qui est vraiment très très chouette. C'est celle-ci, c'est la gravel dirt, je crois. De bêtises. Non, ça va pas être celle-là. Réfléchir. Si, c'est celle-là. Non, c'est la dust, pardon. Elle est un petit peu claire. Et ça, je vais mettre ça dans la rivière, en fait. Ça fait un peu vraiment effet gravillonné avec.
Ouais, je trouve assez joli. Les textures du sol sont assez jolies sur cet opus. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un truc. On va mettre. On va se mettre ça. On va se mettre un petit pain avec. Se faire un petit décor forestier. Tac. Ça. Un petit peu dans la cour. Alors, ce qu'on va faire ici, on va enlever un peu d'herbe ici. Ici. Ah. Là, on va faire ça. On va mettre. Alors, normalement. Reste alors couche ça voilà là on est pas mal alors ensuite on va partir dans le délire un petit peu là-dedans on a dans le décofeuillage je crois non pas le décofeuillage pardon c'est celui-ci. Voilà. Là, on peut mettre des branches en fait. Par exemple, on peut, s'il veut, il a pas envie. Chanterelles. Pourquoi ne pas mettre les champignons? Oui, il a pas envie. Ah, petit, je vais te gonfler, toi. Couche de foliage, c'est bien ça. Couche sûr. Oui, on va le mettre. Bien. Ah. Il va pas. Il est con. Ah putain, c'est parce que j'ai mis une limite, excusez-moi. Hop. Ma faute, voilà. Alors, on va se mettre un petit décor comme ça. On va lui mettre. Et normalement. Non? Pas trop en mettre, on va pas trop en abuser. Un peu de big branch. Et on peut même mettre des champignons. Ça c'est sympa le Timbel. Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est, on peut vraiment faire vraiment des décors assez sympathiques. Ils ont vraiment amélioré ça parce qu'avant il fallait se faire chier à placer des branches en fait entières. Et là c'est vraiment une peinture. C'est vraiment une peinture et on peut tout de suite vraiment donner un petit effet un peu boisé, assez sympathique en fait. On peut vraiment faire une forêt vraiment vraiment jolie. Hein. Vous avez quand même là, vous avez des petits champignons. On peut vraiment regardez, on peut vraiment faire vraiment un truc. Ah, pardon, assez joli. Et ça, c'est toutes des peintures qu'on peut. Vous peignez le sol en fait comme vous faites. Comme vous faites une map d'origine, et donc c'est assez sympa. Il y a vraiment des petits foliages intéressants. Et des trucs, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi ça? Ah, ça c'est les feuilles. C'est dommage qu'il n'y ait pas les feuilles un peu. Ah bah ici, il y a des feuilles un peu mortes. On peut vraiment faire des trucs assez sympas. Ouais, alors. 2 secondes. Ce que l'on peut faire quand même. On peut vraiment faire un petit décor un peu boisé sous les arbres. Ça, c'est cool. Alors, maintenant, on va aller voir. Donc oui, la ferme, là, ça va être une ferme un peu plaçable.
Ou vraiment, je vais vraiment laisser. En fait, j'ai pas, je me suis pas fait chier. Bon, là, j'ai encore du terrain à faire à modeler parce que ça me plaît pas. Je lisse tout ça. Lisser, c'est ma molette. Voilà. Ça a creusé un peu en fait. On va refaire parce que là, ça m'a mis un peu trop de texture. Attendez, on va tout repeindre comme ça. Bam, 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 bam. Non, 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 non. Ouais, il commence à mettre des trucs intéressants. Après, ça commence à devenir intéressant. Après, ce qui est, avant, ce qu'il fallait se faire chier, c'était vraiment implanter des trucs. C'était casse-couille parce qu'il fallait mettre une branche une par une ou un truc vraiment. Là, on peut vraiment faire en fait avec la texture au sol et en plus, elles sont propres quoi. On va les voir en jeu, vous allez voir, elles sont assez jolies. Alors normalement ici, j'ai pas fait... j'ai pas normalement j'ai la pâture de mes cochons qui vont apparaître ici, mais j'ai pas pensé à enlever l'herbe. Donc on va faire on va faire un mixte. Je vais pas laisser ça comme ça, vous inquiétez pas. Là, on va mettre un peu de comme ça. Pourquoi il me met le mud alpine? Moi, je suis là, moi. Voilà. Allez, ce que je vous propose, les amis, c'est que on va les voir en jeu, ce que ça donne. Attendez, on va juste finir la zone là-bas. La petite zone là-bas. Ça, je crois, faut que je l'enlève. Parce que là, j'ai. Ouais, ça, faut que j'y vire. Hop, ça, il n'y en a pas besoin. Oh, là, j'ai de l'herbe sur la route. Après, j'ai la zone à refaire. Après, c'est du peaufinage, hein, mais après, c'est ce qui prend le plus de temps. Alors, attendez, ça, on va enlever mes textures. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. On va essayer. Je vous promets rien. On va prendre celui-là. On va faire ça. Là, on va le charger. Et on va le remplacer par cela, il me semble. Pas de bêtises. Hop. Pour remplacer, on va les changer. Là. Et en fait, ça, on va faire pareil. Ça va faire une forêt dense, hein, moi je vous le dis. Ouais, ça va peut-être faire trop. Non, on va enlever tous les objets. Là, justement, là, je vais travailler pour faire un effet forêt. Parce que... Hop. Bon, là, c'est toutes des problèmes de texture du 19. Parce qu'il y en a pas mal sur pas mal de bâtiments, sur d'arbres, en fait. Donc c'est un peu chiant. Ah ben, c'est sûr que les gars, ça se fait pas en 5 minutes, une carte. Il faut pas... Ça ne fait pas... On a un clin d'œil. Après, moi, ce que je trouve pas mal, c'est que là, une conversion du 19 au 22 se fait assez simplement. Contrairement au... ce qu'on faisait avant. Je trouve, à part certains bâtiments qui passent pas, il y a des choses qui passent super bien. Pas des gros... On va mettre des gros pains un petit peu après. Il y a des choses qui passent super bien. Et donc ça, c'est plutôt cool.
Bon, je ferai la zone de sol après. De toute façon, mes arbres sont dans la végétation. Et le problème, c'est qu'il faut les reprendre avec les 3D. Pff, moi, j'ai la flemme. Si je voulais, je peux le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. Et j'ai certains trucs que je tâtonne encore, parce que moi, je fais de la 3D, mais c'est pas pour la 3D, pareil. C'est pour m'amuser, c'est pour avec des imprimantes 3D, mais c'est pas des trucs simples. Là, c'est vraiment reprendre des textures 3D de... Alors, on va y foutre. On va y laisser comme ça pour le moment. Ça, au moins, j'aurais pas... Même de texture. Je pense que là on est pas mal pour le moment. Là ça va être une Kuma, je sais pas. J'ai bien envie. Là c'est comme ça, je sais pas. J'en sais rien encore. Hein. Bon, je suis toujours en réflexion. Bon, alors, on va faire. On va ranger tout ça propre. On va la zipper. Et on va aller voir ce que ça donne en jeu. J'ai le PDA aussi qui tombe pas tout à fait juste. Encore 2-3 petites. Ah, vous n'êtes pas obligé de la zipper aussi. Hein, si vous voulez. Si vous faites du mapping, en fait, vous la mettez comme ça dans votre dossier mode, ça marche. Mais moi, je préfère la zipper parce que j'ai gardé les bonnes vieilles habitudes d'antan. Je fais ça à l'ancienne. Allez, hop. J'espère que vous allez voir mon jeu. S'il veut. Oui. Bah écoute, ça fait des années que je fais ça. Après. Ouh, ça vous met les filtres. Je viens de voir, ça vous met les filtres si je diffuse comme ça. Ah, bien. Oui, parce que pour ceux qui connaissent pas, normalement c'est avec, je sais plus, la touche. Je crois que c'est Alt F2. Voilà, si vous avez une RTX, si vous avez la chance d'avoir une RTX comme moi, bon moi j'ai une 3070, puis si vous avez la chance d'avoir une RTX antérieure, une 3080, ou voilà. En fait on peut appliquer des filtres au jeu. Donc là si par exemple je veux mettre en HDR, si je fais ça, ça va mettre mon jeu en HDR. Bon je peux le mettre, hein, ça rend plus joli. Mais si par exemple vous voulez mettre, là je suis sur le mode photo, c'est pas ce mode-là, c'est Alt F2 je crois, non c'est pas Alt F2, non, attends, faut que je retrouve ça, Alt F3, voilà. En fait on peut activer des filtres, donc c'est un peu comme si on mettait un shader, et si par exemple là je veux ajouter un filtre, on va le mettre par exemple en noir et blanc, hop, et là mon jeu passe en noir et blanc. Donc ça c'est vous pouvez le faire avec les séries, les RTX en fait, tout simplement, à partir des séries 2000. Donc c'est une petite fonction qui va avec le GeForce Experience. Donc c'est Alt F3 pour les filtres. Et en fait on peut lisser les images, on peut faire beaucoup de choses. Donc moi j'ai mis trois filtres que je trouve que ça améliore vachement les couleurs du jeu. Vous me direz par rapport à ce que vous avez. Et du coup je trouve que le jeu est tout de suite plus joli. C'est un peu comme si on mettait un Richard en fait tout simplement. Donc malheureusement, c'est que disponible pour que sur les séries RTX. Donc c'est un petit peu chiant. Mais voilà quoi. Enfin, la gueule du perso, on s'en branle. Là 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 là. Mais tu as quoi comme carte hein? C'est bien attention, c'est bien compatible. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Les filtres. Giant Editor, si t'es en version antérieure, c'est normal que ça fonctionne pas. Il faut être en, si t'es en version dernière version du jeu, pardon, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être en version. T'as une 2060 Alt F3 et ça marche pas. Il faut bien avoir GeForce Experience installé. Il faut être à jour et il faut que dans GeForce Experience, je te montrerai, il faut que tu aies la version bêta d'activer en fait. C'est une version bêta, c'est pas la version officielle.
Alors, peut-être que ça passe pas sur les 2060, hein. Je t'avouerai que. Mais il me semble qu'il faut que tu aies GeForce Experience de lancer. Et je crois qu'il faut qu'il y ait faut la version bêta, il me semble. Il me semble que c'est ça. Attends, bouge pas, on va regarder. Il me semble que c'est ça, il faut être en version bêta, je crois. Oh, ben même, il est même pas lancé, You. Pilote à jour, bien sûr. Hein. Pour moi, que tout soit à jour. Carte graphique. Bien sûr, ton GeForce Experience, bah d'ailleurs, moi, il est pas à jour. J'étais sur l'ancienne version, et ça marche. Donc, surtout pilote carte graphique et tout ça. Alors, normalement. Ah, je m'en fous des nouveautés. Il me semble que tu vas ici. Tu vas. Je sais même plus en fait. Non, mais c'est même pas en. Je suis même pas en bêta. Ouais, c'est bizarre. Donc le pilote c'est le 497.09 que j'ai, hein. Moi c'est après c'est la dernière. Un mon grain d'appui à deux, ouais, bah ça je m'en bats les couilles, allez hein, vous faire enculer bande de couilles. Mais c'est bizarre que. Bah, écoute, regarde. Il me semblait que j'avais la petite coche ici de cocher, mais non en fait. La petite coche ici te permet d'avoir le. Voilà, tout simplement, la version expérimentale du GeForce. Allez, on va retourner sur le jeu. On va aller voir les rochers, ce que ça donne, les amis. Ouais, donc ça devrait passer. Essaye de voir. Ah, voilà ce que je vous disais, l'effet texture du sol. Ouais, fouine un peu sur le jeu, parce que franchement, je me rappelle plus ce que j'avais fait pour y activer. Faut peut-être activer les surcouches. Et si tu fais Alt F1, est-ce que tu as bien le GeForce Experience qui s'allume? Cette fonction-là, il est là, par exemple. Pour faire des capteurs d'écran, en fait. Il faut vraiment que quand tu fasses Alt plus une de tes fonctions, tu aies les fonctionnalités. Si t'as pas, il faut regarder dans le GeForce Experience, dans les raccourcis. Peut-être qu'il n'est pas mis en fait. Bon, revenons à nos moutons. La carte. Bon, là, les bouts d'herbe enlevés, c'est normal. Oh, j'avais pas vu celui-là. Voyons voir ce que ça donne les rochers. Est-ce que ça pète? Est-ce que ça donne. Ah, bah c'est quand même. Je sais pas ce que vous en. C'est quand même plus joli que l'effet caillou que j'avais fait. Ouais, faut que je peut-être rajoute un petit peu d'herbe. Alors là, je suis avec les filtres. Je vais voir si je peux les désactiver pour voir, vous voyez ce que ça fait. Merde, c'est pas Alt F3, je me suis planté. C'est Alt F2. D'accord. Alt F1. Ah, ça me dit que les fonctionnalités sont plus prises en charge. Alors qu'ils étaient pris en charge il y a 5 minutes. Ouais. Bon, enfin, bref. Je sais pas si vous voyez les couleurs par rapport à moi, mais elles sont quand même beaucoup plus vives, beaucoup plus. Voilà, le jeu, là, il en a. Là, on a vraiment un très très beau jeu. Donc, ça, c'est pas vilain, du coup, ça me plaît bien cette affaire. On va prendre un petit peu de hauteur. Vous avez vu, la map est sans erreur. Hein. Ça, faut bien checker. Attention. Bam, palatatatam. Je suis à fond, je suis à fond. Bon, j'ai encore quelques petits trucs parce que je comprends pas, mais on va prendre un petit peu de hauteur. Hop.
Ça me sème tous les champs d'une même culture, ça par contre. Oh mais non, mais à mon avis ça va être une. C'est parce que c'est. Je devrais peut-être sur le menu du jeu en fait. Moi j'avais fait sur le menu du jeu. Peut-être que une fois que le jeu lancé, ça le prend pas. Moi bon, je m'en fous, mes filtres sont activés. Alors, par contre voilà. Moi le seul souci que j'ai, c'est que depuis que j'ai mis les missions sur la carte, hein, je sais pas si vous voyez, donc normalement il y a des missions. Il y a des missions. Alors le problème c'est que j'ai. Salut Fermier du Poitou, j'ai que des betteraves ou par exemple ça me semait que des maïs, que par exemple ça me semait une seule culture dans les champs, sauf dans les champs où j'ai activé les missions d'herbe. Salut Dom, donc voilà, je sais pas, faut que je suis toujours en train de rechercher ça, faut que je trouve comment ça marche. Alors voyons voir les petits cailloux. Putain, j'avance pas, j'aurais dû mettre le mode rapide, j'ai pas pensé. Là faut que je mette des arbres. Ça me fait vide, faut que je mette des petits arbres là. Je change un peu l'herbe, ça pourrait être sympa. Ah voilà, c'est quand même mieux ces petits rochers. Ouais, l'eau est plate, hein, je sais, j'ai pas mis le shader encore pour les petites vagues, les petites. Ça va venir. Ah, c'est assez sympa avec les rochers. Elle fait pas mal. Ils sont jolis leurs rochers quand même. Est-ce qu'on peut retourner directement à la ferme? Voilà. J'ai plus de musique, moi je veux ma musique s'il te plaît. Hop, merci. Non, c'est, j'ai repassé mon jeu en ancienne version, madame. J'ai repassé mon jeu en 1-1-1, ce qui m'a permis de mapper un peu. Ouais, là faut que j'ai ça. Et là, les petites nouveautés que j'ai mis, j'ai mis le petit rocher, je trouve ça plus joli que ce que j'avais fait avant. Avant, c'était vraiment. Je l'avoue, c'était moche. Là, ça a vraiment de la gueule. Ah, voilà, ok. Bah, tu peux t'amuser à mettre plein de filtres. Mais je. Moi, c'est peut-être parce que j'ai passé mon jeu en version 1.1. C'est pour ça. Donc là, ça. Là, c'est. Ah, ça claque! Ah, j'aime bien! C'est bio! Bon, là, et. Faut vraiment que je mette les shaders sur la flotte. Faut que je les charge. Donc, vous inquiétez pas si ça fait ça, hein, c'est qu'il n'y a pas de shader sur l'eau encore. L'eau est. C'est juste une plane, hein, qui sert à rien. Alors, si on va par là, est-ce que ça a bien mis mes petits trucs? Voilà, ça a bien mis mes petits trucs. Là, j'ai encore là à faire. Donc j'ai juste placé les animaux comme ça, hein. Là, je sais pas si vous voyez un gros trou. Dans toutes les zones plaçables fonctionnent aussi, par exemple si on achète ça, hop. On peut mettre n'importe quoi. Allez, on va y essayer. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça c'est quoi? Boulangerie. Ah, si on met une usine de production. Justement, c'est ça que je voulais mettre. Moi, je suis parti où? Et ça, je vais le préinstaller en fait sur la carte, je pense. Ah, j'ai pas mis. Ah, je crois que j'avais mis ma maison. Ouais, bah à mon avis, je pense que c'est un souci avec le jeu. T'as essayé sur le menu général du jeu? Ou alors c'est la dernière mise à jour en fait de GeForce qui a foutu le bordel. Tu vois, j'avais pas fait la mise à jour. Et sans mise à jour ça marchait, et avec la mâche ça marchait pas, ça marche plus. Donc à mon avis il faut revenir à la version antérieure de GeForce Experience pour que ça marche. Donc en fait là cette zone je vais la laisser plaçable comme ça. Qui va permettre, là je vais reculer les arbres du coup parce que j'ai agrandi un peu la zone. On va reculer, je vais reculer les arbres jusqu'ici pour vraiment boucher ce fond qui est moche. Mais bon qui... Fait le taf pour pouvoir tout simplement
pouvoir en fait placer ici, vous pourrez faire vraiment tout ce que vous voulez, mettre place tout ce que vous voulez. Alors on va essayer un autre truc. J'ai pas. On va regarder l'hiver, ce que ça donne. On va se passer un petit corps de ferme bidon. Ah t'as, j'ai plus ma maison de. J'ai plus mon bungalow. Ah, j'ai peut-être pas activé les modes. Elle est où la zone plaçable? Se rendre directement dedans. Ils sont là. Hop. Bah, il faudrait, je pense qu'il faut revenir à la version antérieure en fait. Tu vois pas. Je pense qu'il faudrait faire ça. Mais ça permet de mettre des filtres et je sais pas si vous voyez par rapport à vous, je pense que le jeu, pour moi, est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus. Merde, c'est où les maisons? Ah! Bâtiment, corps de ferme. Les petites maisons. Hop, on la met là. Ah, le terrain m'appartient pas. Bon, on a le problème. Merci. Hop. Passe-moi ça là. Hop. Ça me l'a déformé. Je m'en branle. Je voulais avancer le temps. Hop. Donc là, le jeu. Il me dit pas. Ça. Peut-être que je fais ça. Ouais, hein, les couleurs sont beaucoup plus chaleureuses en fait. Je peux pas vous montrer l'exemple parce que je sais plus comment je peux enlever les filtres vu que du coup mon menu fonctionne plus. Mais du coup, les couleurs sont beaucoup plus attrayantes à l'œil. C'est comme si on mettait un shader en fait sur le jeu. Donc là, on va arriver en automne. On va encore continuer à avancer. Et je pense que c'est dû à la mise à jour de GeForce Experience en fait. C'est pour ça que ça a foutu le bordel. Il faudrait revenir à l'ancienne version en fait, pas à la nouvelle. C'est dommage parce que c'est une fonction qui marche super bien sur Farming en plus. Moi j'utilise sur beaucoup de jeux, hein, ça marche sur plein plein de jeux. Donc si il y en a qui veulent faire des séries un peu roleplay, vous pouvez mettre votre écran en noir et blanc et faire un truc un peu vieillot. C'est beaucoup plus intéressant. Bon après le problème c'est qu'il faut avoir une RTX. Voilà, il faut avoir une carte graphique de série RTX. Donc soit les séries 3000 et soit les séries 2000. Donc. Ce qui est malheureusement actuellement une gros problème à avoir. Allez, on va avancer encore. Bah, c'est le problème de farming en fait. Tu vas sur les versions antérieures. Soit sur le 17, le 19, si t'as pas de richesse en fait, c'est moche, les couleurs elles sont fades. Oh, ça glitch. Pourquoi ça glitch? Ah, là il y a un truc qu'il aime pas. Après j'ai pas il a pas aimé, hein, j'ai pas fait la mise à jour du jeu, donc je pense que y a des petites corrections à faire. Il y a un petit peu de neige qui tombe. Ah, de la neige. Est-ce que je vais en avoir au sol? Non, j'ai pas mis le snow mask en fait. Elle tombe bizarrement leur neige quand même. Parce qu'en fait, j'ai pas fait le snow mask. Je pense que c'est pour ça que ça fout le bordel. C'est sympa quand même. Par contre, là, l'effet blanchi en fait du sol, c'est ça pour le coup, c'est assez joli. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai pas mis le snow mask en fait sur le jeu. C'est pour ça que on a les petits glitches en fait, les amis. Vous inquiétez pas. C'est des petites corrections à faire. On va essayer d'avancer le temps, voir si la neige. Ça, j'ai pas testé en fait. On sait. Météo, qu'est-ce qu'ils annoncent? La neige toute la journée, donc on devrait avoir une petite couche de neige normalement.
Je n'avais pas de glitch l'autre fois, et depuis que j'ai repassé sur l'ancienne version, en fait, ils ont dû vraiment modifier des trucs. On se prend des vieux flocons sur la gueule, les trucs. On la taille. Putain, ça tombe. Ouais, les arbres, ils glitchent. Et... Oh! Il aime pas le jeu. Ah oui, j'ai des stomasques à mettre sur les bâtiments. Sur mes bâtiments à moi, en fait. Sur ceux qui sont déjà placés. Ceux du jeu, ça les a mis d'origine. Mais par exemple, ceux-là. Allez, la neige passe à travers. Donc, il faut vraiment que je fasse un. Parce que là, du coup, c'est un peu con de mettre la neige dans le bâtiment. Ça, il va falloir que je corrige ça. Bah, sur la plateforme en béton, à la rigueur, c'est pas gênant. Mais à l'intérieur des bâtiments, c'est un peu con quand même. Ça, faut que je regarde. Je n'ai pas fait encore. Alors, on va se prendre un petit tracteur. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre pour tester? Oh, j'aime bien celui-là. Est-ce qu'on peut lui mettre un relevage à l'avant? Oui. Merde! Ah ça c'est stylé par contre. Je revois, ça pourrait être pas mal sur les routes de faire un... pour pouvoir déneiger les routes. Ce serait... Est-ce qu'on peut faire la faire plomber? Non. Être pas mal pour déneiger les routes. Ah, je suis con, j'ai le volant. Ah, eh oui, merci Farming. Mise à jour du volant, mise à jour du jeu. Le volant ne fonctionne plus. Putain, faut tout reconfigurer les volants. C'est une catastrophe ce jeu. Ça pourrait être pas mal de laisser... J'ai les panneaux à changer aussi. Rien dans le sac, le bordel!
Ah, c'est vrai que le rouleau à neige, l'effet rouleau à neige est quand même bien fait. Ouais, c'est l'effet est quand même bien fait. On va aller voir le snow mask, les amis. L'effet quand même assez bien fait. L'animation. Par contre, il a rien dans le sac, le massé. Et au bout de sa life. Eh ben on va aller voir ça. Alors on va revenir sur Giant Editor. Fin de sauvegarder de toute façon, parce que je vais modifier la carte. Bon, le jeu normalement devrait crasher comme d'habitude. Merci. Ah, j'avais vu ça, j'avais aperçu ça, mais je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était là-dedans. Non, c'était pas là-dedans. Où est-ce que j'avais vu ça? Où est-ce que j'avais vu ça? Éditeur de script. Hop. Et une zone de collision. Ça tire. Non. Ah, saison. Générer un masque. D'accord. Les bruits, c'est quoi ça? Bon, ça va falloir que je réfléchisse. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Du coup, je vais faire déjà ce qui était sûr. C'est ici. Je vais remettre un peu d'armes parce que ça. Diversifier un peu les choses quoi. Non, on va mettre un peu de. Ah! Non, c'est pas le terrain que je veux. Bien que j'en prenne un droit en fait. J'ai déplacé celui-là, mais c'est pas celui-là où je peux. Merci. On prend un quai droit.
Merde, je vais pas le retrouver, celui que je voulais mettre. Alors là, on va faire un truc. Alors, ce qui est vachement bien sur Giant Editor, c'est... Salut Cricri. Si vous connaissez pas cette astuce, vous prenez par exemple... Là, on va faire une peinture d'herbe, par exemple. On va prendre ici, on va choisir notre texture d'herbe. Donc là, vu que c'est un petit chemin, on va mettre un petit peu de grâce. Ça. On va la mettre en middle. Ça ne va pas être trop haute. Et là, ici, la limite de texture, vous mettez grâce. Ce qui fait que quand on va peindre, ben, ça va peindre que sur le vert, en fait. Regardez. Si là je peins, là je fais mon clic souris, ça me met pas de d'herbe en fait. Ça met vraiment que dans la. Là on peut faire tout notre chemin comme ça par exemple. Donc là on peut changer, on peut mixer un peu, on va mettre un petit peu de. Voilà. Et en fait ça met pas d'herbe où j'ai mis de la peinture, tout simplement. Et ça c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que ça nous fait gagner quand même un gain de temps sur les. Sur les choses. Là on va mettre. On va mettre de la. Courte, la small, hop. Et du coup, ça peint vraiment en fait que sur la partie verte. Là, je n'en mets pas sur ma partie qui est juste à côté. Donc, ce qui fait que par exemple, je peux mettre un curseur comme ça et là, blam. Là, bon, après, ça me défonce là, mais vous pouvez faire un curseur de la largeur de la route et là, vous faites toute votre route comme ça et là, ça met vraiment que les zones vertes. Et là, vous voyez, ça fait tout de suite. Ça me met vraiment que où j'ai du vert. Donc là, on va mettre un petit peu de déco. Là, on va se mettre ici en déco foliage. On va mettre la grass light comme ça. Voilà, comme ça prend un petit peu d'herbe sur le chemin.
Ouais, ici c'est normal parce qu'en fait c'est pas une, c'est une vieille texture, c'est une, pas une texture. Et voilà, on peut vraiment faire vraiment des trucs assez sympathiques. En 2 secondes, vous faites un petit chemin. On peut par exemple, on peut pisser, on va mettre un petit peu de rouge, voilà, tac, un petit peu, hop, mettre un petit peu de rumex. Le rumex c'est assez joli, le rumex, moi j'aime bien. Et là, ce qu'on peut faire, un truc qui peut être très sympa ici. Alors, pour mettre un petit peu de décor, on va mettre des petites branches cassées là. Là, on va se mettre ici en gros une foliage. Ici, on va sélectionner les big branches. Par contre, là, il faut décocher. Là, vous mettez aucune texture. Hop. Ce qui va nous permettre de mettre quelques branches cassées en fait. Et là, par exemple, on peut même mettre des petites. Pour vraiment. Et on peut rajouter. Moi, ce que j'aimais bien, je crois que c'est ça. Juste. Non, on peut en mettre un petit peu aussi, c'est sympa. Vu que c'est avec l'herbe. Pour vraiment donner un petit effet. Là, du coup, on met comme si on avait mis des débris, comme si la flotte nous avait un truc. Et voilà. Et en 2 secondes, on a fait un petit chemin assez sympathique. Il faut que j'enlève ça parce que ça me plaît pas. Et en 2 secondes, voilà, on a fait notre chemin. C'est l'avantage de ce Giant Editor 9. Vas-y mon cri-cri, va te promener. Va chercher bonheur. Voilà, ça je ferai ça plus tard, parce que là il y a du taf. Faut remodeler le terrain. Ce soir, normalement, ouais. Tu m'envoies un message quand tu te paies. Je sais pas si je vais jouer, mais je pense que je passerai faire un tour vite fait. Tu me bip. Tous les cas. Alors là, les trucs que j'aime bien. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est mettre dans les barbelés. Pour histoire de le meubler un peu. Au lieu d'avoir du barbelé, d'avoir une texture assez. Juste 2-3 petits buissons comme ça, pris dans le barbelé. Quand on a des grandes lignes droites de barbelé comme ça, je trouve que ça casse la dynamique qui en fait ça. Ça casse un peu la. Ça casse un peu le. Je sais pas comment. La perspective en fait, par rapport au barbelé. Et je trouve ça que ça fait. Mais tout de suite, ça fait tout de suite plus sympa. Surtout sur les grandes zones de barbelé comme là, on peut en mettre quelques-uns. Ça mange pas de pain, c'est pas gourmand. Et ça fait tout de suite. Un peu plus cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, j'avais les arbres à reculer ici. Toute la rangée qui est ici. On va la supprimer. Et on va en replanter une derrière, en fait. Waouh! Histoire d'agrandir la zone achetable. Pas de soucis, il est à côté de moi, Cricri. Il ne bouge pas. Rendre ça un petit peu plus dense. Voir de. Faire ça un peu plus cool. Et bon, on va continuer. Bah aussi, bah tiens, on va continuer le chemin. Là. Ça va m'occuper, je pense. Parce que le chemin, j'ai celui-là à refaire. Et je. Normalement, il y en a un ici. Voilà. Celui-là. Celui-là. Et je crois que c'est à peu près tout. Celui-là, je l'avais déjà fait. Ouais, il y a les entrées de champ à peaufiner. Là, il faudrait que je mette une.
Ah, bougez pas, je reviens. Amis, je vais juste sortir mon chien, je reviens. Allez, me revoilà. En profite pour prendre un petit chocolat, hein, c'est Noël. Pas encore, mais bientôt. Salut Titi. Alors pour que je vous montre aussi. On peut implanter, on peut réimplanter en fait. Simplement les farmlands et les missions. Donc moi j'ai pu réimplanter directement ceux qui étaient faits par le mappeur original.
sans avoir à les refaire tout simplement. Donc vous pouvez reprendre tout simplement les fils du jeu, les réintégrer, hein, y a pas de souci. Bon, après j'ai toujours mes petites programmations que là il faut que je fasse parce que du coup ça me sème tous les champs pareil. Ça il faut que je regarde, je pense qu'il faut que je reprenne les champs un par un et que je les modifie. Mais ça fonctionne super bien, vous voyez, j'ai tous mes. Tous les... Alors que ça c'est le plus chiant à faire en plus, c'est une comédie. Ça marche aussi pour les farmlands. Hop, pour les farmlands aussi ça marche. Alors... Regarde, script map, ça on peut le décocher. Non. C'est vrai que ça me l'enlève, merci. Pour les farmlands aussi ça marche. Voilà, j'ai rapporté tous les farmlands qu'il avait fait. Et donc, comme ça évite de les refaire. On est vraiment... vraiment, vraiment, je trouve qu'il va vachement bien en fait pour les conversions. Donc là, vous avez tous les farmlands d'origine de la carte en fait qui ont été réalisés par le mappeur original de la carte. Donc, ce qui permet de vraiment faire un petit truc aux petits oignons. Bon, là, il faudra qu'on fasse un petit effet forêt ici. Là, hop, 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 on va retravailler mes cheveux. Je vais continuer un petit peu à travailler les chemins. Les entrées de champ. On va faire ça tout de suite. J'y pense, hop. Ah, il fait chier tout le temps là, sélectionner autre que ça, c'est pas ça que je veux. Que l'entrée de celui-là elle est par là. Ouais.
Alors, celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Celui-là, je sais même pas par où on... Ah, celui-là, on va par là-bas. Celui-là, on part ici. C'est bon, ça, c'est bon. Allez, on va continuer le petit chemin. Et là, c'est le drame. Non, on va déjà enlever des trucs. Merde, je m'en tape. C'est que ce soit pas trop violent et qu'on voie pas les plaques. J'ai fait une méga bosse, quoi. Ouais, merde, connerie. Où les tasses? Merde.
Ça va chahuter un peu le chemin, moi je vous le dis, les gars. C'est un peu le but. Ça se coule les tripes, sinon ça sert à rien. J'ai peut-être été abusé. Hein. Corrigera les zones après. Ah, du coup, t'as fait quoi, du coup? T'es revenu en arrière ou... Du coup, l'astuce peut m'aider, hein, en fin de compte. D'accord. Ah bah, écoute, je vais voir en rouvrant le jeu. De toute façon, faut que je regarde mon chemin, ce que j'ai fait, si ça me va ou pas, donc. Ah bah ça change le jeu hein, tout de suite. Hein, Je vais montrer la différence vite fait sur le live là. Ceux qui veulent voir vraiment la différence. Je supprime mes filtres. Et je vais me rappeler, il faut que je me rappelle les. On peut mettre une deuxième configuration, normalement on peut configurer plusieurs trucs. Je finirai ça plus tard. Alors on va juste mettre de l'herbe. Ah pourquoi je vois pas pourquoi. Ah non! Eh ben écoutez, on va tester ça tout de suite. On va prendre un petit tracteur, on va aller défoncer les chemins. Allez, hop, on va fermer Giant. Alors, je vais fermer GeForce comme il m'a dit. Ben, je crois qu'il est déjà fermé, ce con. On va rouvrir GeForce. Voilà, et on va lancer le jeu. Said to figure out how to dig the soil and the earth is to figure it ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You've got to be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. Alors, oui, en fait, tu peux mettre. Ah merde, je suis pas sur le bon. Si, filtre du jeu. Donc, en fait, tu as. On peut mettre une configuration.
On peut en mettre trois différentes et à chaque fois vous pouvez mettre différentes confections. Donc, je vais vous montrer, on va aller en jeu, on va aller sur la carte tout simplement. On va fermer ça. Donc il y a plein de petits perfectionnements qui font que. Alors par contre on va partir sur une nouvelle mise à jour parce que j'ai mis à jour la carte. Le petit ouest. Donc en fait tu peux faire trois réglages différents selon ce que tu veux sur ton jeu. Si tu veux un jeu plus chaud, moins chaud. C'est vraiment, vraiment très très bien. Donc là, normalement par défaut, je crois que les. Voilà. Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Alt F3. Donc là, je vais enlever mes filtres. Donc là, je suis le jeu sans filtre. Vous voyez tout de suite la différence. C'est pas l'eau, c'est. Il reste propre, mais c'est pas ce qu'il y a de plus topissime. Ici, je reviens faire ici, je viens activer mes filtres que moi j'ai mis. Et là, vous voyez tout de suite la couleur est tout de suite beaucoup plus chaude. On peut aussi lisser une image. Ça marche pas tout le temps, parce que moi j'ai pas réussi, mais par exemple si on veut mettre d'autres filtres, donc moi j'ai mis le affiné plus, mais vous pouvez mettre le affiné, et là dans chaque filtre en fait, en cliquant sur la flèche ici, on a des réglages. Donc si vous voulez par exemple intensifier les contrastes, des choses comme ça, donc là je sais pas, il faudrait peut-être qu'on se. Donc là on peut vraiment faire. Après il faut s'amuser à régler selon ce qui nous convient. Par exemple, on peut mettre en plus, on peut mettre un effet aquarelle, par exemple. Donc là, ça donne un jeu effet aquarelle. Donc ça peut être bien pour faire un rendu de map, par exemple. Moi, c'est ce que je veux justement, c'est ce que je voulais faire. D'ailleurs, la photo est très belle, ça pourrait faire une très belle photo. Vous mettez comme ça et ça peut faire votre fond de map en fait, pour ceux qui veulent démarrer une map comme moi. Et ça fait vraiment faire un effet très très joli. Ou si vous plaît pas, vous le supprimez. Si vous voulez rajouter d'autres filtres, vous avez des. Ça, je sais même pas ce que c'est ça. Oh, c'est quoi ça? Ah, d'accord, on peut mettre. Si on veut faire une bande de flou. Ah, c'est génial ça! On peut la faire courber. Avec une barre floutée en dessous. Eh, ça peut vraiment. Ça, c'est vraiment stylé. Alors, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Letterbox. On peut faire effet cinéma. Là c'est pareil, je pense qu'on peut régler. On peut vraiment faire un effet cinéma si on a envie. On peut vraiment, voilà, si vous voulez faire un truc propre, vraiment, on peut vraiment faire plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autres filtres? Vous avez vraiment vieux film photo, donc là ça fait vraiment l'effet vieux film comme si on tournait un film. Donc pour ceux qui veulent tourner des vidéos, c'est plutôt sympa. Vous mettez un son par exemple de une vidéo de projecteur et on peut vraiment faire le truc. Vraiment. Vraiment sympa. Et donc là, pareil, vous avez toujours des réglages. Et un truc bien pétant. Bon, ça pète les yeux, hein, je vous le dis. Si vous voulez un peu plus de contraste, moins de contraste, on peut vraiment faire un truc. On peut vraiment faire un truc propre. Du coup, le mode pictural qui peut vraiment fait un peu dessin animé. Moi, je trouve ça assez joli. Pareil. Donc là, on peut vraiment après s'amuser. Si on veut mettre un truc un petit peu plus net, on peut vraiment en fait affiner. Donc par exemple, si j'ai envie de jouer comme ça, je peux jouer comme ça. Et je vous avouerai que c'est pas moche. C'est pas moche. Merde. On va le remettre comme il était. Attendez. Oh, c'était l'échantillonnage. Bon, essayer de prendre un véhicule, voir ce que ça fait. Non, mais c'est vraiment. Là, c'est vraiment pour faire le délire. On peut lisser les bords, on peut vraiment. On peut vraiment faire vraiment des trucs. C'est. Il y a de quoi s'amuser avec ce système-là. Donc, bien sûr, malheureusement, c'est compatible que pour l'RTX. Ah ouais. On va acheter un véhicule pour voir. Donc, ça met les filtres partout. Hein. Vous allez avoir les filtres sur le magasin, sur les trucs. Bah, ça détériore un peu les menus du jeu, mais bon, après. On va voir ce que ça donne. Si par exemple vous voulez faire une belle pix, mettez ça. Faites ça.
Là, alors, vous supprimez ça, vous revenez là, on a fini plus, et par exemple, là, on va se mettre. Vous mettez en aquarelle. Regardez, regardez la belle picture que ça peut vous faire. Donc là, après, vous pouvez intensifier les teintes. Vous pouvez vraiment faire un flou, un peu plus de flou. Vous pouvez améliorer un petit peu, vraiment plein de choses. Éclairer légèrement. Regardez la pixel qu'on pourrait faire comme ça. Merde, ah, je l'ai enlevé. On pourrait vraiment faire un truc assez sympa. Merde, il est où? Aquarelle, il est là. Et là, par exemple, je le laisse comme ça. Et là, je me mets en mode photo. On peut vraiment faire une, ça peut vraiment faire une belle photo avec cet effet aquarelle, en fait. Donc là. Après, c'est sûr, dans les menus du jeu, c'est moche. Et on a le mode photo. Donc, par exemple, là, si moi j'active l'HDR, le quadrillage, ça, c'est si on veut faire une photo. Donc, il y a vraiment plein de fonctionnalités, en fait. En super résolution. Oh. En stéréo, en sphérique 360. Ouais, c'est quoi ce délire? Oh, j'ai jamais fait. Hein. Et c'est du coup, en fait, mon live se transforme en tuto. Et non, c'est vraiment bien parce que on peut vraiment s'amuser en fait. Donc là, moi, j'aime pas. Et vous pouvez faire vous faire trois réglages différents en fait. Donc là, le jeu. Là, le jeu est par défaut. Donc là, on voit vraiment. Hop. Et là, je vais me remettre mon petit réglage à moi. Merde, c'est Alt F3, pardon. Et là, je remets mon petit. Et là, vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus chaud. Alors, on peut encore affiner. Hein. Moi, j'ai pas affiné vraiment, mais on peut vraiment chercher le détail en fait. Là, avec l'HDR, l'avantage c'est que moi j'ai un écran compatible HDR, donc on peut vraiment faire un truc qui pète. Alors, le flou lumineux, j'aime pas trop. Et après, ça c'est. On peut vraiment faire un truc. J'avais mis le affiné plus. Ça affine un peu les textures. Bon, après, si on les affine vraiment, ça fait vraiment. Ah. Avec les petits réglages, à peu près à 50%. Les détails de texture, c'est pareil. On peut vraiment aller chercher des détails très précis. Donc, sur ce jeu, il n'y a pas vraiment besoin. Là, on peut aller inverser les profondeurs d'axe, on peut faire vraiment plein de choses. Et bien sûr, ben, les couleurs. Là, on peut vraiment jouer sur les couleurs. Là, vous pouvez, par exemple, intensifier encore votre teinte. Bon. Là, ça met un effet un peu rouge, mais voilà. On peut vraiment s'amuser, en fait, à faire vraiment des. Là, si vous voulez vraiment un jeu pétant, vous foutez l'éclat à fond. Et là, vous voyez, c'est quand même bien, bien pétant. Après, il suffit d'ajuster tout simplement. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont une RTX, donc une série 2000 ou une série 3000, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, c'est le petit tuto de la partie mapping. Bon, alors, on n'était pas là pour étendre du linge, nous. Ah, bah si, j'aurais dû garder mon tracteur. On va essayer le chemin. Je déteste conduire au clavier. Vous avez goûté au volant. Bon, j'ai changé mes réglages comme un con, mais ils me plaisent pas. Je refasse mes réglages de filtre. Ça me plaît pas. Surtout celui-là, je crois que j'aime. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas choisir de taper de valeur en fait.
Pas de souci, pas de souci. Si ça vous appelle, si ça peut aider des gens, moi, on peut vraiment faire en fait sans besoin de faire de reshade et en fait tu utilises la ressource de ta carte graphique. Ça évite de mettre un programme annexe. Bon, je pense qu'on va être secoué comme des prunes. Moi, je vous le dis tout de suite. Wouah, c'est un chemin défoncé. En même temps, c'est un chemin de terre, c'est ce qu'on veut. Je sais pas ce que vous en pensez. Remarque, ça permet vraiment d'utiliser la physique du jeu. On voit vraiment les suspensions. Ah, c'est sûr, c'est pas des chemins qu'on va prendre à fond. Sinon, on va décoller, on va s'avérer. Ah, j'ai pas fait cette partie-là. Ah merde, j'ai dû attaquer plus loin. Ah si, je l'avais faite. Oh, mais je suis un gros bolos. Je suis un gros con. Vous pouvez le dire. Je crois que j'ai pas mis ma carte. Je l'ai pas zippé, je l'ai pas mis dans mes modes. Vérifier, mais je crois que j'ai fait ça. Hein. Et venant de moi, ça m'étonnerait pas. Oui, bah c'est ça. Je l'ai pas zippé, je l'ai pas mis dans mes modes. Ouais, bah c'est tout à fait moi. La mettre dans les modes, hein. Donc en taille de poids, la carte dépassera pas ce poids-là. Hein. Je pense qu'elle sera pas à plus de 300. 300 mégas. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense qu'elle pourrait bien tourner sur les petites configs. Et je vous dis, je verrai avec l'auteur original de la carte en fait si j'arrive à le joindre, si je peux la publier ou pas. Après, s'il veut pas, eh ben je la garderai. Je la garderai pour moi. Bon bah je vais vous montrer ça et puis après je vais vous laisser moi parce que on est en vacances, on va peut-être profiter un petit peu des enfants. Je pense que si tout va bien, on se retrouvera demain. Demain, 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 demain. Peut-être demain. Allez, ta gueule. Alors, hop. Ah, les filtres, je crois que j'ai merdé sur mes filtres. Salut Olivier. Je crois que j'ai merdé sur mes filtres. J'ai dû les modifier. J'ai pas remis à mon... comme je voulais. Le affiner plus, je pense que j'ai un peu trop affiné. Alors, Alt, F3. Oh, c'est celui-là. Merde. C'est celui-là que j'ai modifié. Ah, mieux. Allez, on va prendre un petit tracteur. Et pourquoi je fais P, je viens là-dedans, moi?
tout compris. Ah, un léger problème technique, chef. Ah, j'ai pas essayé les classes, tiens. C'est dans les chemins. On va mettre une petite benne sympa derrière. Histoire de voir vraiment les animations. Bah tiens, on va se mettre en benne classe. Oh, bah c'est j'ai le clavier qui bug moi. Alors. Ça me saoule. Franchement, ils font chier, enfin, ils font chier. Ah, j'ai de la zone morte sur le volant. Va falloir que je règle tout mon volant. Et ça me fait chier. Mais ça me casse les couilles à un point, ce jeu de merde. Putain, vous faites une configuration. Vous configurez tous vos trucs comme il faut. Ils font une mage de merde. Et du coup, bah, vous êtes obligé de tout reconfigurer. Alors déjà, vous passez déjà une grosse heure, voire 2 heures à tout configurer propre. Et en fait, cet abruti de jeu ne reconnaît plus votre périphérique. Donc du coup, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc c'est un petit peu casse-burn. Et 2 secondes le charge arrive. Donc du coup, faut tout se taper à reconfigurer, à refaire, machin. Chiant. Elliot, va. Allez, on va aller voir les chemins. Là j'ai une putain de zone morte, machin, faut tourner un quart le volant. Oh là là. Oh. Je crois que j'ai fait des champs un peu de fête quand même. Les chemins de fête sont un peu... On va acheter le moissonneuse, tiens, on va essayer de moissonner. On va se prendre un champ... On va se prendre le 1, tiens. Pouah. Alors on va se prendre le 25 là qui est là. Allez. C'est à récolter.
pourquoi je reviens tout le temps là? Qu'est-ce qu'il m'a fait ce machin? Il a inversé toutes mes touches, j'ai l'impression. Écran de construction. Hop, 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 magasin, c'est où ça? Pourquoi je tombe sur le truc du sale un personnage, moi je crois. Je ne comprends pas. Ah, c'est peut-être parce qu'on n'a rien d'acheté encore. Je sais pas. Ouais, j'ai plein de trucs qui déconnent là. C'est quoi ce délire? Wow. Ouais, j'ai un problème sur la carte. Ce qui c'est fort probable. Non, là, je peux bien acheter. On a dit que c'était sûr. Bon, alors je sais pas. Il va pas me mettre sur le magasin, ce con. Mais il est con ce jeu. Il y a un bug quelque part. Quoi? Je sais pas. Ça me fatigue, ça me fatigue, ça. Je fais ça MHP normalement. Eh mais non, mais même MHP normalement, on doit revenir sur le mode de construction. Merde. J'ai même pas essayé en fait ça. Oui, échec. Ah merde. Ouais, j'en ai pris deux. Non, mais là ça marche. Ah oh, putain, je crois que c'est un mode qui me fait chier. Je peux plus descendre du véhicule maintenant. C'est magique ça. Je pense que c'est un petit mode qui me fout le bordel. J'aurais dû les enlever. Bravo. Je veux quand même essayer de récolter, j'ai pas essayé. On va prendre celle-là, elle est un peu grosse, mais c'est pas grave. C'est marrant. Son système de guidage, on s'en fout, on va la louer. Ah, y a un truc qui est pas mal, c'est ça, combinaison. On va la louer. Là, normalement, ici. On pourrait pouvoir avoir le chariot partout. Je crois que c'est celui-là. Merde.
tout à refaire, putain. Ça me déprime. J'enlève l'herbe, il faudrait que je recule le magasin, je pense. J'ai mal mis la barre de coupe, oh, c'est pas grave. Bon bah on perd un bout, je pense. Ouais, j'ai un vieux heureux, un vieil zone morte sur le volant, c'est abusé. Ah, c'est des chemins de fête, hein. Telle vue large. Ah, ça passe pas. Merde! C'est tellement une zone morte qui est trop grande, tu pas précis du tout au volant.
Bon, à part le magasin qui déconne, le reste. Toutes les touches fonctionnent plus, quoi. C'est peut-être un conflit de mode, faut que je regarde. Mais... C'est de faire la trémie, on va essayer de déchaumer quand même pour voir ce que ça donne. Bon, et puis après, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des petites questions, des petites choses, n'hésitez pas, je serais ravi de vous y répondre. Bon, il reste du taf, faut que j'arrive à comprendre pourquoi j'ai ce problème de magasin. J'essaie sur carte d'origine pour voir.
Je vois pas pourquoi ça viendrait de la mienne. Mais bon, on sait jamais. Peut-être un truc qu'il aime pas. Alors, argument. Je regarde ça. Jusqu'ici, tout marche bien.
Merde. Je l'ai passé. Essayer d'aller vendre pour voir. Salut Michael. Juste des tests. Oh, allez. Ça va pas tarder. C'est les vacances, ça va pas tarder, je te le dis tout de suite. Je vais juste finir de tester, savoir quand même si ça marchait. Allons le sac, ce machin. Texture enlevée un petit peu partout. Ça a l'air de marcher. Ça monte sur le compte en banque. Revenu récolte, si vous.
Merde, j'ai... Ah, revenu des récoltes. Ouais, bah, c'est bon, ça marche. Bon, bah moi, sur ce, je vais vous laisser là, les amis. Hein? J'espère que cette petite après-midi avec moi vous aura ravi. Je sais plus sûr, je ne suis pas une belle bonde à forte poitrine. Certes, voilà. Mais j'espère que ça vous a donné quelques envies de mapping et surtout bien aidé sur quelques petites techniques. Et bah allez, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi à tous. Une bonne soirée. Amusez-vous bien, profitez. Et puis je refais, j'essaierai de refaire un petit live de toute façon avant les fêtes pour vous souhaiter bien sûr à tous une bonne fin d'année. Et amusez-vous bien. Allez, on se retrouve certainement dans la semaine. Allez, ciao! Bonne soirée à tous. Thank you.